Donc, bonjour à tous pour les bienvenus pour la dernière rencontre des après-cours. Je crois que c'est la dernière rencontre des après-cours 2017. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres cette semaine. Donc, la rencontre des après-cours ou la communauté de partage en informatique. Donc, on a la présence de Julie et Evelyne du ministère. Véronique n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, à l'ordre du jour, on a les points de la DAF, puis quelques autres sujets. Comme je vous avais dit dans le courriel, on va peut-être aborder la question des évaluations. Je vais garder l'enregistrement quand même tout le long, sauf qu'avant la publication, on va vérifier si il y a des points qu'on devra retirer de la publication pour ce qui est aussi dans le document collaboratif. Là, on va prendre les notes dedans, mais tout de suite après, on va vérifier s'il y a des choses qu'on devrait retirer. Je mettrai dans un autre document qui ne sera pas partagé à ce moment-là, où je vous l'enverrai personnellement, étant donné qu'il ne faut pas évidemment brûler la confidentialité des épreuves. Donc, je vais laisser. Donc, n'hésitez pas à ajouter des points aussi à l'heure du jour. Il y a Mylène qui vient de se joindre à nous, donc bienvenue Mylène. Donc, je vais laisser la parole à Julie et Evelyne, s'ils ont des points là pour le ministère, si vous avez des trucs à ajouter. Oui, alors bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis accompagnée d'Evelyne Brochu, qui s'occupe vraiment de la partie des évaluations, si vous avez des questions. Ça va être moi graduellement là, qui va m'occuper du programme d'informatique. Comme vous savez, les nouveaux prototypes sont tous terminés, sauf un cours là, qui va être bientôt disponible. Les versions aussi en anglais, ils sont présentement la traduction. On devrait avoir des nouvelles en début d'année. Il y a aussi des situations d'apprentissage que Louise et puis Alain ont développées, que je crois qu'ils sont peut-être déposées sur Alexandrie. Là, vous pourrez me confirmer tout à l'heure. Donc, ça va assez bien là, dans l'implantation du nouveau programme. On a aussi des statistiques qui nous montrent là, qu'il y a vraiment beaucoup plus de cours en informatique qui ont été donnés dans le courant de l'année. À la rencontre nationale, là, les 25 et 26 janvier prochain, on va avoir un atelier qu'on va pouvoir présenter là, un peu plus en profondeur là, les nouveaux outils, puis aussi les statistiques à jour. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions sur les évaluations, il y a Evelyne et puis Alain là, qui pourront m'aider là, à vous donner les meilleures réponses possibles. Alors, bonne rencontre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, des questions ou des commentaires par rapport à aux évaluations, aux prototypes d'évaluation? Gilles? Oui, bonjour à tous. J'avais quelques questions en lien avec. On a commencé à explorer ici les cours en bureautique, là, le cours 50-67. Puis, je voulais voir, là, je voulais avoir votre avis, votre façon de voir ça, là, concernant le critère 1.1, où on parle que l'élève va utiliser différentes ressources d'aide, hein, pour se dépanner, l'aide dans le logiciel lui-même, en ligne, etc. Mais c'est plus dans l'évaluation du critère, on mentionne que pour porter un jugement sur le critère, ça c'est dans la DDE, l'enseignant observera plutôt l'élève en classe. Évidemment, toute observation qui pourrait être faite au cours de l'épreuve sera également prise en compte. Là, il y avait une note en bas de la page qui disait, puisque ce critère est mesuré à des fins de sanction, l'enseignante ou l'enseignant doit porter un jugement sur la capacité de l'adulte au terme du cours. La note accordée ne doit pas correspondre à une compilation de mesures. Okay? Fait que là, je me demandais, c'est comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez donner une espèce de est-ce que vous pensez que si on donne un travail synthèse à l'élève, c'est là qu'on va évaluer ces critères-là? Je ne sais pas, ça c'est l'idée que nous, on a ici. Je voulais juste en discuter pour voir c'était quoi votre opinion sur ça. Voilà, c'est ça ma première question.
OK. Est-ce que Julie, tu voulais répondre à ça? Oui, ça va être Julie. Je pourrais même donner quelques pistes. Moi, ce que je vois, c'est pas nécessairement un travail. C'est pas en fait un travail que je verrais. C'est plus que l'enseignant devrait peut-être se faire une feuille de genre liste de vérification où il pourrait prendre des notes sur ce qu'il observe de l'adulte au travail pendant le cours informatique dans le dernier tiers, disons, du cours. On dit que le jugement devrait porter au terme du cours, c'est-à-dire que, mettons que vous observez votre adulte pendant le dernier tiers du cours, puis que au début du premier tiers, c'est-à-dire au début du dernier tiers, il est plus ou moins bon, mais que vraiment, là, vous l'observez, disons, la veille de l'examen, puis là, vous trouvez qu'il se dépanne vraiment bien. Et à ce moment-là, vous utilisez les échelons de la grille et vous allez porter votre jugement simplement. Donc, c'est vraiment le jugement d'adulte. C'est pas obligé de s'appuyer sur un travail. Ce qu'on suggère, c'est que ça s'appuie sur des observations de l'enseignant pendant le cours. Parce que il y a des adultes qui vont faire leur examen en salle d'examen. Donc, tu peux pas, à ce moment-là, observer ton adulte en train de faire ton examen. Puis, il y a des adultes qui vont faire leur examen en salle de classe. Donc, là, ça se peut que l'enseignant puisse observer l'adulte à ce moment-là. C'est sûr que s'il est en salle d'examen, ben, il ne peut pas y avoir d'observation prise pendant l'examen pour voir comment notre adulte va se débrouiller justement par rapport aux stratégies pour se dépanner. Est-ce que ça répond à votre question? Ben, oui, en partie, c'est juste que dans la note qui est indiquée en bas de page, on dit que ça ne doit pas correspondre à une compilation de mesures prises à différents moments du cours. Alors, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est qu'on se base plus sur ben c'est sûr, là, c'est logique, là. On regarde à la fin de la formation de l'élève pour porter un jugement. Je me demandais juste si les gens à travers la province allaient faire une espèce faire un travail synthèse à l'élève à la fin pour vérifier ça. Mais ça pourrait être une des options, mais c'est pas nécessairement ça. Moi, j'ai compris. C'est beau. Merci. Marie-Josée? Jean-Simon, il fait dire si l'adulte fait l'examen seulement, qu'est-ce qu'on fait? Une question qui nous a été acheminée il n'y a pas longtemps. Ben, il faut trouver une façon de l'observer pendant l'examen. À ce moment-là, ça veut dire que tu ne peux pas enfermer ton adulte dans un local avec un surveillant d'examen qui ne serait pas capable de l'observer au travail, si on veut. C'est la seule manière qu'on a trouvé qu'on pouvait porter un jugement sur le critère pour quelqu'un qui fait juste l'examen. Il ferait juste l'examen pour se faire reconnaître les unités, c'est ce que vous voulez dire, sans avoir suivi le cours. Ouais. Alors, ça prendrait quelqu'un qui l'observe pendant l'examen et qui va porter un jugement sur les échelons de la grille. Pensez-vous que c'est possible? Oui, Alain? Bien moi, c'est pas pour une réponse, mais je pourrais amener aussi le fait de la formation à distance. Je crois que la formation à distance va aussi causer la même situation des élèves qui travaillent à distance. Ils pourront pas. Je sais qu'on peut avec des applications comme VIA ou Aperin, on peut les voir à distance. Cependant, c'est peut-être plus difficile à évaluer. Donc, c'est un point où, comme Evelyne dit, qu'il va falloir, je crois bien, qu'on n'aura pas le choix d'avoir l'élève en salle de classe pour faire l'examen plutôt qu'en salle d'examen pour ce type-là, pour le critère 1.1. Là. Moi, je pense que dans mes deux commissions scolaires, si on fait de la formation à distance puis que l'élève vient dans le centre, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, il va falloir mobiliser un enseignant parce que les personnes responsables à la salle d'examen ne peuvent pas faire ça nécessairement. Là, on ne peut pas leur demander ça. D'accord, merci Marie-Josée. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé avec les prototypes, qui ont déjà fait passer les prototypes à des élèves? Je sais qu'il y avait à Mont-Laurier, Jean-François, je ne sais pas si tu es au courant, là, parce que je pense qu'il y avait le INEP 5075 qui avait été passé à un élève.
Je ne sais pas si ça l'a eu lieu. Faudrait que je m'informe, mettons. Mais puis moi, je n'ai pas eu le temps de regarder tant les prototypes encore. C'est Stéphanie qui l'enseigne de toute façon. Je ne suis pas au courant si ça a été fait. D'accord, merci. Marie-Josée? Bien, la majorité que je vois dans le clavardage, c'est que non, ils n'ont pas commencé. Puis ben, chez nous, ben, je n'ai pas fini de regarder et d'analyser toutes les épreuves. Donc, on n'a pas commencé. Puis j'avais des questionnements, mais on va peut-être attendre tantôt. C'est quand nous, avec Joanne Fauché à la chute, on s'est fié en fait sur le prototype pour faire notre évaluation en robotique qu'on met dans le INF 5083. Puis ben là, il y a un élève qui l'a fait, puis il va peut-être falloir se réajuster parce qu'il n'a pas réussi à faire le programme au complet. Donc, soit qu'il n'a pas fait assez de travail dans une certaine section ou soit qu'on a fait une évaluation trop compliquée. Mais on l'a vraiment fait là, dans le cadre, là, avec la durée, avec on a fait l'évaluation là, comme les prototypes. On s'est vraiment basé sur le prototype du INF 5083 pour l'adapter à la robotique. Est-ce qu'on passe tout de suite aux questions par rapport justement à ceux qui ont vu les évaluations et qui auraient des interrogations par rapport à certaines évaluations? Il y a Mylène qui dit que l'épreuve Word a été faite une fois chez nous. J'aimerais ça savoir un peu comment ça s'est passé parce que ce qu'on a remarqué dans le INF 5067, il y a de la matière du INF 5068 qui est dans l'examen de 5067, donc des choses que l'élève n'aurait pas vues. Si l'enseignant n'a pas vu l'examen avant, ça peut être un peu surprenant pour l'élève. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, Mylène, si tu peux soit l'écrire dans le clavardage ou si ça a causé des problèmes. Word, on m'a dit que ça a bien été, mais ça s'est fait une fois cette semaine. L'enseignante, c'est d'abord une enseignante d'univers social, donc on n'a pas nécessairement ici personne qui est vraiment pointilleux là, dans le contenu. Ben c'est ça, on n'a pas eu la chance de regarder si les contenus étaient exactement conformes au programme, etc. et dans les examens, mais on m'a dit qu'en salle d'examen, ça avait bien été pour l'examen de Word. Bon, probablement que l'élève y a eu des bons points pour sa capacité à finalement à se débrouiller dans des trucs qu'il ne savait pas. Parce qu'il y a vraiment un point là, qui n'est pas dans le programme et qui demandait à l'examen. J'avais aussi, on a eu une interrogation par rapport au fait que les examens soient aléatoirisés, ce qui est une super de bonne idée. Sauf que s'il y a des savoirs qui ne sont pas vus, qu'on coche n'importe quoi, ils ne seront toujours pas vus. Puis, on a aussi des savoirs qui ne sont pas vus dans le INF 5069, le tableur 1, qui ne sont pas vus dans l'évaluation. Donc, puis on a toujours la crainte que si ce n'est pas vu dans l'évaluation, on finit par ne plus le voir dans le cours, même si c'est dans le programme. Donc, c'est pour ça que des fois, on s'interrogeait de faire une deuxième forme, une forme B, en fait, pour éviter que des savoirs soient complètement skippés, là, complètement retirés. Puis, je pense que c'est des choses qu'il va falloir regarder peut-être un peu plus pointues là, dans chacune des évaluations. Julie? En fait, j'ajouterais que c'est ça, ce serait bien qu'à la forme B, ben, que vous gardiez les savoirs qui ne sont pas vus dans la forme A puis que vous les mettiez. Pour ce qui est de l'aléatoirisation, c'est un beau mot, hein, je pense sincèrement que c'est exactement les mêmes choses. Parce que, qu'il soit l'un ou l'autre, en tout cas, normalement, ça devrait être les mêmes savoirs qui sont vus. Alors, je n'ai pas en tête toutes les épreuves, là, mais en général, en tout cas, c'est les mêmes savoirs, même si c'est aléatoire. Oui, c'est ce qu'on avait constaté. Dans la DDE, bien évidemment, il y a un nombre représentatif de savoirs qui doivent être touchés par l'épreuve. Donc, ce serait logique qu'effectivement, dans
qui a une épreuve B, une forme, une version B qu'on appelle, puis dans laquelle il y aurait d'autres savoirs pour être sûr justement que l'ensemble des savoirs est couvert par, par plus qu'une épreuve. J'ai une autre question par rapport à l'évaluation 50-67. Avec les enseignants, ça, on a exploré l'épreuve, on a regardé l'épreuve, puis la DDE, on mentionne que pour le matériel autorisé, on dit que tout document de référence est autorisé. Est-ce que ça inclut un guide, par exemple, un guide d'apprentissage, ou c'est juste les notes de l'élève? Donc, on s'est posé la question, là, tout document de référence, ça voulait dire quoi? Personnel et des documents de référence, qu'ils soient sur support papier ou électronique. Oui. Dans le fond, l'adulte, il peut utiliser tout ce qu'il peut. Les épreuves sont tout de même assez costauds, donc même s'il a droit à toutes ses notes, c'est le temps aussi avec lequel il va prendre, c'est le temps qu'il va prendre pour faire son épreuve. Qui va démontrer sa compétence, si on veut. Donc, moi, je lui laisserais, effectivement, tout document de la réalité. C'est proche de la réalité, parce que s'il y a une production à faire comme ça dans son quotidien ou au travail, ils vont pouvoir utiliser tous les outils qu'il veut. D'accord. J'avais une autre question par rapport merci pour la réponse, pour les documents de référence. Dans le guide de correction, dans la liste de vérification, à la page 3 pour le critère 2.2, je vais le ressortir exactement, on parle d'ergonomie. On se demandait ce que ça voulait dire exactement. On dit la disposition des différents composants, etc., est ergonomique. Donc, la disposition des différentes composantes lorsqu'on fait un travail, est-ce qu'on veut dire... on se déplace facilement, c'est facilement lisible, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire ergonomie exactement. Oui, je le dirais à peu près comme ça, facile, convivial. Je ne sais pas si Alain, tu veux ajouter quelque chose. Après ça, Alain, là, c'est un peu comme, en fait, que ce soit facile pour un utilisateur aussi, là, pour se repérer facilement à l'écran, là. Je me rappelle à la SAQ il y a quelques années, là, les travailleurs avaient toujours de la difficulté à les peser sur accepter la transaction parce que le bouton apparaissait en haut à gauche, une place que c'est rare là, qu'on va mettre une interaction à cet endroit-là. C'est un peu ça, là, un exemple d'ergonomie. Alain, si tu veux compléter. Bien, c'est ça, c'est que c'est facile à s'y retrouver, avoir une mise en page, avoir une disposition dans laquelle c'est facile, que c'est pas un fouillis, que c'est facile à s'y retrouver, un peu comme ça a été écrit dans le sens, comme vous dites, dans l'idée qu'on a l'ergonomie d'une interface. On a essayé de faire une ergonomie épurée, donc comment les boutons, comment c'est disposé, soit dans une application, soit dans une page web. Ben, c'était le même mot qui a été peut-être pas nécessairement heureusement employé à ça, mais qui a été quand même employé pour ça, puis que c'est pour vraiment plus aller définir vraiment là, la facilité à s'y retrouver une fois que la mise en page est faite, la disposition. On pourrait le rattacher un peu à l'esthétique, mais quelque chose peut être beau, mais pas être ergonomique. T'sais, fait que, puis ergonomie, c'est vraiment plus une facilité à s'y retrouver, je crois, dans la page. Si vous prenez dans ce sens-là, dans cette acceptation-là, ça devrait être plus proche, dans le fond, de ce qui avait été pensé au départ. Puis, je permettrais peut-être d'ajouter que, tu sais, la liste de vérification, elle a été faite pour s'appliquer à l'épreuve qui est proposée. Alors, chaque enseignant peut ajouter des choses, donc, ne serait-ce que par rapport à cette épreuve-là, l'enseignant pourrait décider que pour chacun des critères, il y en a 4 ou 5 au lieu de 6 ou 7 qui sont mentionnés là, qui sont plus parlants pour lui, qui va l'aider plus à distinguer l'élève moyennement compétent, de très compétent ou de super compétent. Donc, ces énoncés-là sont là pour donner une idée de comment on devrait comprendre chacun des critères. C'est en lien avec la définition des critères qui se retrouve dans les définitions de domaine d'évaluation. Puis, c'est au prof d'en ajouter, d'en enlever, de les modifier pour que vraiment ça fasse du sens pour lui et que ça l'aide à porter son jugement en bout de piste là, sur la copie, la copie d'élève. On dit copie d'élève, mais sur la production d'élève. Merci. Marie-Josée, tu avais quelque chose aussi à ajouter?
Ben, c'est juste pour dire que, tu sais, Mylène, elle va revenir, elle va écouter la vidéo, puis elle va nous envoyer la question. Puis ce que je me rappelle, c'était par rapport au temps du 50-80 qui était alloué au parti. Mais elle va nous revenir avec ça. Là. D'accord, oui, parce qu'on se rappelle, le 50-80, l'élève fait une partie de l'examen à l'extérieur de la salle d'examen. Donc, ça, je ne sais pas, je pense que le temps n'était pas compté là-dessus. Hein. C'était juste la partie, je ne me souviens pas, en fait. La partie qui était en évaluation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des spécifications là-dessus. Oui, il y avait Alain et Julie. Je dis Alain, on va en parler après. Ben, ça doit être la même chose. Il y a 180 minutes pour chacune des deux parties. La partie préparation qui se fait à l'extérieur de la salle d'examen ou en dehors du temps d'examen, qui est dans le fond faire le synopsis, faire les premières captures, c'est indiqué 180 minutes. Okay, et le montage en tant que tel, c'est un autre 180 minutes. Chacun, c'est 3 heures. Cependant, le 180 minutes de la prise de la préparation, c'est quand même, c'est des temps qui sont quand même, je crois, c'est, ben là, Julie pourra me corriger, mais je crois que c'est des temps qui sont indicatifs plus que des temps prescrits. Vu que c'est une préparation, vu que l'élève doit filmer, on sait quand des fois faire un scénario, préparer son scénario image, faire ses prises de ses captures, ses prises de vue, ça peut amener des fois des problèmes. Donc, des fois, ça se peut qu'on ait des acteurs, entre guillemets, qui ne soient pas présents. Il y a toujours des problèmes de tournage. On cherche à regarder les films, toujours les dépassements qu'il y a. Même si c'est une production de quelques secondes, ça peut des fois déborder pour l'élève. Donc, le 3 heures de préparation, je crois que ça pourrait être variable en fonction quand même du degré de difficulté et de maîtrise que l'élève va rencontrer lors de sa préparation avant d'arriver en classe. C'est mieux qu'il arrive mieux préparé pour son examen que de le préparer à la course puis arriver à la partie finale puis que là, il va se sentir coincé avec son montage. C'est mieux d'arriver super prêt avec toutes ses idées, tout son découpage déjà préparé pour vraiment optimiser sur les derniers 3 heures qui vont le rester à la partie 2. Ben, j'ajouterais, Alain, si tu permets, si tu te souviens, en fait, il y a 3 parties à cet examen-là. Il y a la première partie qui consiste en une séance d'évaluation où il va penser son scénario d'image et tout ça. Il y a la deuxième partie qui ne sera pas faite en salle d'examen, ça c'est sûr, parce que c'est la manipulation d'appareils audiovisuels. Et ça va être jugé ou évalué avec le critère 2 points quelque chose, si je me souviens bien. Ben, en fait, je ne m'en souviens pas, mais il y a un critère qui porte sur la manipulation des appareils audiovisuels. Donc, ça va se faire en salle de classe, ça va se faire dehors. Puis, ça ne fait pas partie de la séance d'évaluation parce que ce n'est pas en salle d'examen, mais c'est tout de même une deuxième partie, si on veut, à l'épreuve. Puis, il y a la troisième partie qui est en salle d'examen, où là, tu as juste le montage à faire, mais toutes tes choses sont supposées être faites à l'extérieur. Puis là, ben, parce qu'on n'avait pas de document pour la partie 2, qui est la partie production, ben, ça fait en sorte que la pré-production, c'est la partie 1 en salle d'examen. La partie 2, il n'y a pas de cahier. Puis le deuxième cahier, qui s'appelle partie 2, est en fait la post-production, donc c'est comme la troisième étape. On va parler d'étape plus que de partie, donc la troisième étape de l'école. Donc, les 180 minutes, c'est, il y en a un pour le temps où tu vas penser à ton scénario et à ton scénario, puis il y en a un autre 180 minutes pour la partie post-production qui est le montage, en fait. Merci. Oui, Marie-Josée? Là, c'est parce que je suis en train de prendre des notes dans le document collaboratif, juste pour être certaine, là. OK, première partie est en salle d'examen, c'est la pré-production, c'est 180 minutes. Deuxième partie, c'est hors salle, on n'a pas de temps. Troisième partie, montage en salle d'examen, 180 minutes. C'est bien ça. C'est ce que dit la DDE. Oui, bon, OK. Parfait, juste pour être certaine. Merci, Marie-Josée. Si, n'hésitez pas, hein, si vous avez des trucs à aller ajouter dans le document. Je prends des petites notes papier pour ne pas faire de bruit, non? Un peu. Mais ce serait bien si vous pouvez aller écrire aussi ce qui se dit dans le document collaboratif. Donc, il y avait Marc-Claude qui disait, il n'y a pas de temps prescrit pour la deuxième partie. OK. Marie-Josée, tu voulais ajouter quelque chose? C'est encore moi. Mais juste pour rappeler à Mylène, parce que je sais qu'on va se reparler, là, juste me dire, je ne l'ai pas analysé, cette forme, ce prototype-là, c'est combien de minutes qu'on demande au final? C'est une minute
combien, je ne me souviens plus. Bien, le produit final, le montage qu'on demande, c'est quoi, une minute, deux minutes? Même pas, je crois que c'est je vais aller voir, mais 30 secondes. Je sais pas si, ouais, mon micro est ouvert, c'est bon. 30 secondes ici qui est marqué dans la mise en situation. Hey, merci beaucoup. Ouais. Commencer à... Oui, Gilles, je vais te laisser la parole. Oui, je m'excuse. C'est parce que là, tu viens de parler d'évaluation. Il y avait juste une dernière chose. Moi, j'ai un enseignant ici qui travaille qui travaille avec nous, puis qui est en milieu carcéral. Il y a eu probablement des discussions là-dessus dans d'autres rencontres, mais je voulais juste voir si, c'est par exemple, quand l'élève a besoin de formes d'aide sur le web, mais évidemment, un peu pas en carcéral, est-ce qu'il y a des choses qui vont se développer par rapport à ça? Comment ça va fonctionner? Lui, c'était son questionnement. Il se demandait j'imagine que ça va être juste l'aide du logiciel, par exemple, en traitement de texte. Donc, il n'y aura pas accès à autre chose. Je me demandais s'il y a quelqu'un qui s'était penché là-dessus. Marie-Josée, tu avais quelque chose à préciser Ben là, là-dessus? Gilles, il demande en salle, pas en salle, en milieu carcéral, là. Jean-Simon, je ne sais pas si c'est milieu carcéral aussi, là, mais il marque accès Internet non obligatoire dans les salles d'examen. Dans le BDI, il me semble qu'il est marqué Internet direct, hein, mais. Est-ce que Julie ou Alain avaient quelque chose à répondre par rapport à ça? Ou Jean-Simon, tu avais à préciser aussi ta question? Oui, mais peut-être, mais dans la DDI, en fait, là, on parle de matériel autorisé, oui, avec Internet. Le lien Internet, ce qu'on a discuté en rencontre du récit l'autre fois, ben là, je vais valider ça parce que j'ai discuté avec un enseignant à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement une obligation d'utiliser Internet si jamais il n'y a pas une surveillance efficace qui est possible en salle d'examen pour pas qu'il y ait de triche ou de choses comme ça, là. Donc, j'aimerais ça que juste entendre là-dessus. Puis évidemment, milieu carcéral aussi, là, j'ai deux milieux, un pénitencier et une prison là, sur mon territoire, donc je vais valider ça également. Moi, je dirais que dans les cours d'informatique, c'est difficile de passer à côté d'Internet puis de donner des cours d'informatique. Est-ce qu'il y a au moins un intranet dans les prisons, par exemple, ou des choses des sites sur lesquels les adultes pourraient aller fouiller? Non, Mais il n'y a pas présentement, non. de... Il n'y a rien. Je sais qu'on est présentement en discussion là, avec le milieu carcéral, justement, pour voir où est-ce qu'on pourrait faire, là, parce que c'est sûr de développer un réseau virtuel privé sécurisé, ça pourrait être une option, mais présentement, là, ce n'est pas encore décidé. Même l'enseignant, parfois l'enseignant va avoir le droit d'amener son portatif, puis on va pouvoir lui fournir une connexion Internet. Et là, l'étudiant va pouvoir passer. Voir naviguer, mais ce n'est pas dans tous les milieux carcérales. Il y a encore des choses à faire là, de ce côté-là. Là. Pour ce qui est aussi d'autres questions, l'évaluation, quand les étudiants ont le droit, ben, je ne parle pas nécessairement milieu carcéral, là, ont le droit à l'Internet, ben, c'est sûr qu'il faut avoir certaines restrictions dans le sens qu'ils ont le droit à l'Internet pour toutes les recherches, mais pas aux réseaux sociaux. Là, moi, dans mon cégep, c'est comme ça là, que les étudiants avaient toujours le droit à l'Internet pour pouvoir faire une évaluation. Par contre, aucune communication, qu'elle soit virtuelle ou réelle, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir Facebook ou n'importe quel réseau social là, pendant l'examen. Par contre, n'importe quel navigateur de recherche qui avait le droit d'aller. Faut faire attention lorsqu'on fait nos épreuves pour pas qu'ils fassent une recherche puis qu'ils tombent sur la solution. C'est à nous vraiment là, à s'assurer que nos épreuves soient assez générales puis aller chercher des exemples là, qui ne sont pas disponibles facilement. Merci. Je vais ajouter quelque chose aussi là-dessus. Il y a quand même plusieurs pénitenciers, peut-être des prisons aussi, qui ont des intranets, donc qui peuvent comme téléverser des copies de sites. Et puis, souvent, les références des élèves, ce sont des vidéos. Puis, les vidéos, ça se télécharge quand même facilement, puis qu'on peut mettre ça sur un intranet ou même, à la limite, sur des DVD. Donc, l'élève peut
avoir une série de vidéos qu'il peut consulter pendant ses évaluations. Puis je pense que faire toute la suite bureautique, ce n'est pas nécessaire d'avoir Internet, à mon avis, pour ça. En tout cas, s'il y a d'autres références comme des livres, il y a ses notes, il y a l'aide du logiciel, je pense que c'est toujours en ligne maintenant. Hein. Je ne pense plus qu'il y en a de l'aide interne, là, mais il peut avoir quand même des parties d'aide qui sont téléchargées, puis des vidéos là, qui sont mises à sa disposition. Je pense que ça ne cause pas de problème. Puis quand on arrive avec d'autres cours, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir l'offre totale des cours d'informatique en carcérale. Puis je pense que ça, va falloir se mettre d'accord là-dessus, là, de dire que faire des documents pour le web ou de faire, bon, il y a certains cours, je pense que ce ne sera pas possible d'offrir en carcérale, mais il y a quand même, avec le nombre de cours qu'on a, on a quand même une bonne offre là, qu'on va pouvoir donner. Alain? Oui, Louise, comme tu dis, il y a des cours, là, il y a certains cours qui seront peut-être difficilement donnables en carcéral. Cependant, juste pour venir pour l'Internet, comme Jean-Simon, je crois, oui, le dit, le matériel qui est marqué autorisé, c'est pas obligatoire, c'est autorisé. Mm-hmm. Si la situation ça ne le permet pas, mais l'élève, on le recommande, mais l'élève ne sera pas nécessairement obligé de le faire. Puis, je crois, pour pallier à ça, dans plusieurs examens, on a déjà rempli beaucoup d'images aussi. Lorsqu'on a besoin d'images, de son, on en a mis certains, mais ceux qui font le prototype, c'est sûr que si l'élève décide de faire, si on amène l'élève à faire autre chose que le prototype, on peut prendre les images puis les faire d'un autre cas, mais on ne pourra pas. Mais comme tu disais, Louise, il y a les aspirateurs aussi, je ne sais pas si ça se dit comme ça, les aspirateurs de sites, comme tu dis, on est capable de prendre un site pour le consulter hors ligne. C'est sûr que ça va demander un certain travail au milieu carcéral, ce qui sera peut-être intéressant de faire. On pourra peut-être regarder pour pas que chaque centre aille à refaire la roue à chaque fois, chaque milieu carcéral, on pourrait peut-être se donner une série de cours qui pourrait être intéressant à vouloir donner. Dire, ben, on s'entend pour ces cours-là, puis on va développer, juste aller aspirer certains sites, regarder dans quelle mesure que c'est légal aussi, pour avoir des problèmes. Puis aussi se créer des banques d'images. Les banques d'images, banques de son, on en a partout, ça peut être facile aussi à recréer. Je pense, il y a une dizaine d'années, il y avait CorelDRAW qui avait le DVD avec 200 000 images. Là, on a Pixabay qui est en ligne, mais on est peut-être capable déjà d'aller faire un premier tri pour les élèves aussi. En considérant aussi que des fois, je pense qu'il faut faire attention dans nos choix d'images, de vidéos et de contenu aussi. Ben, ça sera peut-être une idée qu'on pourra faire aussi pour pas que chaque milieu carcéral ait à repartir la roue de zéro à chaque fois. Là. Ce sera peut-être le cas d'un prochain après-cours pour se donner un air d'aller avec ça. Là. Voilà. Merci. Donc, on peut passer au point suivant par rapport au... vous souvenez l'an passé, ceux qui étaient là aux rencontres l'an passé, on avait fait un tableau sur les cours qui étaient donnés ou le matériel qu'on avait préparé pour certains cours. J'essaie de remettre à jour ce tableau-là. Je vais remettre le lien, en fait. J'ai le lien quelque part dans le document, il est un petit peu plus bas. Voilà. Là, je vais mettre le lien dans le clavardage. Parce que ceux que je connais, à part, il y a Rivière-du-Nord qui ont un site. Il y a Pierre-Neveu qui ont beaucoup de sites, qui ont fait des... ils ont deux sites, en fait, qui ont beaucoup de cours mis en ligne. Puis, il y a aussi à Shawinigan qui ont des cours, je ne sais pas s'ils sont partagés, par exemple, des cours mis en ligne. Il y avait justement Dany qui m'a demandé hier si le matériel de Pierre-Neveu était, on pouvait l'utiliser. Puis je pense que ce qu'on met en ligne, c'est fait dans le cadre de notre travail, donc c'est fait pour être utilisé par tout le monde. On peut aller s'inspirer ou carrément utiliser ces sites-là aussi. Donc, si vous avez des sites pour des cours, donc de mettre les liens dans les... dans le tableau. Puis je pense la prochaine étape, parce qu'on a parlé un petit peu d'Alexandrie tout à l'heure, puis on fait des SA, puis je suis aussi coupable, je pense que je n'ai rien mis sur Alexandrie jusqu'à maintenant. Donc je pense que toutes les SA qu'on fait, le matériel qu'on produit, il faudrait aussi le partager à cet endroit-là, qui est vraiment le lieu de convergence là, de tout ce qu'on fait en FGA, là, donc de déposer des situations d'apprentissage en informatique sur Alexandrie. Je pense que ça serait c'est sûr que ça demande un effort supplémentaire, mais je pense que ça vaut la peine aussi là, pour le partage.
Donc, c'est juste d'aller ajouter du matériel ici. Puis, s'il y a des gens qui travaillent, qui sont en train de travailler sur des cours, puis qui veulent, qui ont besoin de collaboration, par exemple, ou qui disent qu'ils travaillent sur des cours, donc de ne pas dédoubler le travail, par exemple, si on peut se partager aussi ce qui reste à faire, parce que je pense qu'au niveau de base de données, je n'ai pas entendu personne qui a commencé à travailler là-dessus. On a les deux livres de logiciels qui sont sortis. Mais je ne crois pas que personne, j'ai rien entendu par rapport à ces cours-là, le 71 et 72. Il y a le 70 aussi. Oui, Alain? Bien, au sujet des bases de données, juste mentionné, vous allez voir dans les documents, dans les épreuves, dans les fichiers joints, on a mis deux bases de données. Au début, on a fait des bases de données qui étaient vraiment gigantesques, qui faisaient plus de 1000 entrées, plus de 1000 enregistrements par base de données. On les a réduites parce qu'on s'est dit que ce n'est peut-être pas tous les ordinateurs qui sont capables justement de supporter ça. On avait fait ça assez grand pour éviter que les élèves, des fois, se mettent à chercher par eux-mêmes là, les réponses. Ça nous arrive des fois qu'ils disent « Monsieur, madame, je n'ai pas pu imprimer là, mes requêtes, mais je n'ai pas pu les enregistrer, mais voici, j'ai trouvé, j'ai imprimé ma feuille. » Mais oui, il y a eu le temps de la chercher sur 50 items en ligne. Là, on fait ça assez grand. Sauf que lorsqu'on a réduit les bases de données, au lieu de les mettre de côté, on les a gardées. Fait que vous pouvez quand même les utiliser pour ceux qui décident de faire des activités. C'est quand même… Vous pouvez créer vos activités à partir de ce corpus-là. On avait mis ça justement pour ça. Parce que des fois, ce qui est rebutant d'une base de données, c'est de se taper toute la base de données à faire. Là, il y a un travail, le travail plate peut être fait. Okay. C'est sûr que c'est comme en théorie des coordonnées d'élèves. En tout cas, c'est quand même limité à un certain corpus. Cependant, ça peut vous aider, ça peut aider du monde à démarrer des activités DSA. Eh bien, c'est libre à eux de pouvoir le réutiliser. Là. Qui sont à quel endroit, ces bases de données-là? Ils sont avec, il faudrait que je regarde, mais me semble, Julie sont, ou Evelyne, me semble, sont, je vais regarder, ils sont en ligne, ils sont avec nos examens. Il me semble c'est marqué bases de données volumineuses dans nos... Mais s'il y en a qui les utilisent en évaluation? C'est pas ceux-là qui sont pris en évaluation. On les a mis, les autres, et c'est une partie de ça, mais sûr que lorsqu'on a passé d'une base de données de 1500 ou 2000 entrées, on l'a réduit à 100, l'élève ne verra pas, là, il y a trop de données dedans. Là. C'est comme envoyer un élève sur Pixabay, puis qu'on a déjà pris des images dessus pour une autre chose, il y a beaucoup trop d'informations. Ben ça, je crois, ça va donner un bon coup de pouce à tout le monde. Là. Merci. C'est bon. J'ajouterais juste que dans le kit des épreuves, dans le dossier INF 5071, mettons, il y a un dossier à l'intérieur de ça, puis c'est écrit base de données volumineuse. C'est dans le kit d'évaluation. Donc, ils peuvent être utilisés à l'extérieur des évaluations. Oui. Qui est parfait. Ça va être une information à quand même diffuser, là, parce que s'il y en a qui les utilisent pour l'évaluation, puis qui ont été utilisés à l'extérieur. Bon, mais c'est vrai qu'avec une base de données aussi volumineuse, ça ne changerait peut-être pas grand-chose au niveau de la confidentialité, mais quand même, oui. Non, je pense que ça n'aurait pas d'impact. Là. Les requêtes ne sont pas nécessairement les mêmes là, à l'évaluation et en pratique. Donc, c'est ça. Il y avait ces deux cours-là. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas rien de fait. Il n'y a personne qui semble avoir travaillé dessus. Il y a l'animation 2D, j'ai pas vu personne. L'initiation à la programmation, là, il y a personne, il y a rien d'écrit dans le tableau, mais je sais que c'est travaillé à... Non, c'est la programmation 3D qui n'est pas travaillée. Donc, l'initiation à la programmation, ça, il y a quelqu'un qui travaille. Exploration des systèmes d'exploitation, il y avait quelqu'un qui en avait parlé l'an dernier, mais je ne me souviens pas qui. Je me souviens de quelque chose qui est fait là-dessus. Puis, il y avait le INF 5084. Je sais que l'année passée, moi, j'avais comme eu l'idée de faire ça avec Publisher. Je trouve que c'est un logiciel qui est intéressant puis il rentre nulle part ailleurs. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose pour Word. Non, ça, c'était dans 83. Antidote et WordQ. Donc, il y a encore de la place pour du développement. Puis, s'il y a quelqu'un qui a le goût de faire du développement, on peut partir de ce tableau-là, de voir ce qui est déjà fait, soit compléter des cours déjà faits, ajouter des situations comme synthèse aussi, ou de monter carrément de nouveaux cours. Marie-Josée?
Nous autres, oui, en passant, j'ai oublié de te l'envoyer, là. Mais on est en train de travailler sur le INF 5051, qui est un sigle local, parce que nous autres, on ne donne pas de FBC. Puis pour passer au 5067, pour avoir commencé en janvier dernier à le donner, on trouvait que ça commençait quand même assez raide, là, vu qu'on ne donnait pas la FBC. Donc, on est allé chercher des trucs là, qu'on a montés pour un nouveau cours, comme l'introduction à là. Fait que si vous voulez, là, je pourrais vous le partager aussi là-dessus. Puis ça serait peut-être une question à Julie, justement. Qu'est-ce qu'on peut monter comme cours maison? Est-ce qu'on peut monter d'autres cours de secondaire 5? Est-ce qu'on peut monter des cours de secondaire 4, par exemple, ou de secondaire 3 en informatique? Est-ce qu'il y a des cours, des sigles maison encore disponibles pour ça, dans le nouveau programme? Je suis un peu embêtée, je vous avoue, là, parce que ça ne fait pas assez longtemps que je suis dans le programme. Je vais m'informer puis je vais vous transmettre là, la réponse, mais je pense que oui, il y a toujours moyen là, de pouvoir monter des cours d'établissement là, avec un nouveau cours d'établissement, mais je vais m'informer pour savoir plus, là, mieux vous encadrer sur cette question-là. Merci. Alain, tu avais quelque chose à ajouter? Non, mais c'est juste ça, c'est que les cours d'établissement sont pas, ils n'ont pas été enlevés. Je sais qu'il y a un ménage qui est en train d'être fait, mais ils ne sont pas. L'autre en parlait avec Evelyne, mais ça fait un certain temps, c'était quand même quelques semaines, quelques mois, qu'elle dit ça, que les cours d'établissement ne seraient pas tous enlevés, mais là, c'est embêtant de se prononcer quels cycles vont rester, quels cycles ne resteront pas, est-ce qu'ils vont garder ceux de 4, ceux de 5, quel nombre d'unités qu'il va y avoir dedans, ils vont garder des cours de 3, 2 ou 1 unité, je ne sais pas, mais je sais que c'est pas dans l'air de toutes les enlever au complet. Oui, un ménage, mais pas de toutes les supprimer au complet, là. Merci. Oui, c'est ça, parce qu'en informatique, on a des cours en base, en pré-secondaire, secondaire 1, secondaire 2, puis après ça, il y a un vide pendant deux années, deux niveaux, c'est-à-dire. On n'a rien en 3, rien en 4, puis effectivement, quand on arrive avec des élèves en 5 qui n'ont jamais à peu près utilisé d'ordinateur, qui n'utilisent que les cellulaires, mais ils ont beaucoup de rattrapage à faire. Moi, je m'interroge toujours aussi, est-ce que c'est... pas pertinent, mais de dire qu'on met des cours de mise à niveau, puis on leur donne des crédits de cinquième secondaire. C'est peut-être que je serais plus tentée à mettre des crédits de quatrième secondaire, vu que c'est de la mise à niveau. Mais ça, je pense que ça serait à s'interroger là-dessus. C'est comme si on avait un élève, par exemple, qui n'a pas fait de mathématiques depuis 10 ans, puis là, il arrive en secondaire 5, bon, il fait un cours de 2 crédits pour... réapproprier l'addition de fractions ou isoler une variable. Je serais un petit peu embêtée de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'en informatique, je me posais la question aussi, là, jusqu'à quel point on peut le faire. C'est une bonne question, en effet. Je pense qu'il va falloir là, aussi là, faire un retour là, sur ce sujet-là, des gardes en note. Ouais, il y avait Alain, puis ensuite Marie-Josée. Oui, puis vu comme ça, bien, c'est comme tu dis, c'est vrai que ça serait bon d'avoir des unités, mais ça serait peut-être pas nécessairement de 5, mais de 4, ça serait bien. Parce que si on les met en 3 ou en 2, ça va venir comme la FBC, et les élèves ne voudront pas le faire. Ils vont dire qu'en théorie, ce n'est pas payant pour eux. Donc, autant les comprendre. Nous, on a notre salaire à chaque semaine, et pour les élèves, leur salaire, c'est leurs unités en bout de ligne, pour qu'ils vont donner leur DES. Fait que je pense que c'est une très bonne idée, Louise, de regarder quelque chose pour cibler ça en secondaire 4, là. Donc, ça ne vient pas empiéter sur le 5, puis en même temps, ben, ça donne quelque chose aussi à l'élève, là, une motivation de dire, ben, je ne ferai pas une marche trop grosse, un saut trop haut, partant de rien pour arriver d'un cours que je risque de me planter. Je vais prendre le temps de faire ma mise à niveau comme il faut, puis ça devrait... Ouais, c'est une très bonne idée, je pense bien. C'est une super bonne idée, moi aussi, que je trouve, mais je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui en donnent des cours de FBC en informatique? Ben, Alain et Gilles. Bien, vas-y, Gilles, en premier, moi, parce que moi, vu que je suis conseiller, je ne donne pas, c'est juste, j'aurais juste dit qu'est-ce qu'un ou deux profs font dans ma commission scolaire, là, je te laisse y aller. Bien, c'est la même chose, Alain, je suis conseiller, moi aussi, mais j'ai eu une enseignante cette année qui a... Oui, c'est ça. Ben, j'ai eu une enseignante cette année, rapidement, là, qui a commencé à donner des cours en informatique FBC, là. On a pris beaucoup de choses que Louise a produit, d'ailleurs, là. Toute la base, traitement de texte, tableur, comment rechercher sur Internet, gestion de fichiers, même monter un site web avec Weebly,
Donc, présentation PowerPoint. Fait que, elle fait le tour de ça avec les élèves. Ça, c'est, on va peut-être se fier un peu là-dessus pour offrir des préalables à nos élèves, mais l'idée d'offrir des cours de la quatrième secondaire, c'est intéressant pour les unités. En gros, c'est ça qu'on a fait cette année. J'ai pas beaucoup de résultats d'élèves encore, là, mais c'est intéressant ce qu'elle fait avec les élèves. Nous, dans notre cas, c'est des élèves en FBO, en formation de base orientante, qui font le cours production informatique. Et puis, on a deux profs qui font de l'alpha, excusez-moi, une prof d'alpha et une prof de pré-secondaire qui donne découverte d'un environnement informatique. Mais ils servent de ce sigle-là, mais c'est vraiment une initiation qu'ils font localement, là, vraiment un départ de base. Fait que c'est à peu près tout ce qu'on a. Il y a vraiment. Je m'excuse, vous voyez, mon chat se promène un peu partout. Là. Il est un peu là. Il se mélange un peu de tout. Mais bref, ça fait que les profs, c'est vraiment des initiatives locales qu'ils font, puis c'est des exceptions, je te dirais même, qu'ils font. Ce qui est un peu frustrant, on a travaillé à l'élaboration des FBC, même dans notre propre commission scolaire, les profs ne l'utilisent pas, mais quand je te dis, c'est juste deux ou trois profs seulement qui l'utilisent, puis c'est très peu. C'est production puis découverte, c'est les deux seuls qui sont utilisés. Merci. Oui, je pense qu'Alain, tu avais écrit des livres d'ailleurs pour, c'était le GTEL aussi? Non, c'était la SOFAD. OK, d'accord. Il y avait des interventions de Jean-François à Mont-Laurier. Il donne ses P101, je pense que c'est plutôt P102 par exemple, mais qui est donné à l'intérieur des cours de français puis de mathématiques. Donc, c'est pas, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont vraiment dans le laboratoire informatique. Là, Jean-François, tu pourras peut-être plus préciser là-dessus où ça se fait dans les cours, dans les classes de FBC. Puis, il y avait Mario aussi qui donne… Tout à fait. Oui, OK, vas-y, Jean-François. Oui, dans le fond, c'est ça, je ne sais pas si c'est le P101, mais c'est possible que ce soit le P102. C'est dans le fond un cours qui est conjointement donné et dans les cours FBC mathématiques et FBC français, conjointement avec les deux enseignantes, ils donnent ça, mais c'est à l'intérieur. Nous, on a une flotte de portables, fait que l'élève va chercher des portables pour travailler là-dessus à l'intérieur de la classe, effectivement. Merci. Puis Mario, est-ce que tu peux nous lire ce qui est écrit, Marie-Josée? Oui, bien Mario, il disait que, j'imagine que c'est en FBC qu'il n'en donne plus, mais que les enseignants ils ont intégré ça dans des activités dans leur classe. Compétences transversales, en fait. Ce qui devrait être, d'ailleurs, on ne devrait pas avoir des élèves qui arrivent en secondaire 5 et qui n'ont jamais utilisé un portable ou un ordinateur. OK, il y avait la mise à niveau cours additionnel. Il y a quelqu'un qui a parlé de la FBO? Je pense que c'est Alain. Non, c'est Gilles qui disait la FBO. Je sais que c'est donné aussi là, dans ma région qui veulent donner un cours d'informatique pour la FBO, qui serait un cours qui ferait le tour là, justement d'un peu Word, Excel et puis Internet et les fichiers, les dossiers et tout ça. Là. Marie-Josée? C'est quoi FBO? Formation de base orientante. Mais j'en sais pas plus, je sais pas si quelqu'un peut détailler un peu plus c'est quoi ce programme-là, comment ça fonctionne, Julie? Oui, moi aussi je vais me renseigner un peu plus à fond, là, mais l'idée que j'ai, là, c'est vraiment pour aider l'adulte à choisir là, dans quel domaine, quel cours il va choisir dans son profil. Ça sert vraiment à ça, fait qu'on essaie de donner une variété de cours pour qu'il puisse préciser davantage, là, vers quelle matière vous pouvez s'attirer. Je pourrais vous donner une meilleure définition à la prochaine rencontre. Merci. S'il n'y a pas d'autres points à ajouter, on aurait fait pas mal le tour de notre heure du jour. Donc, pour la prochaine rencontre, je pense qu'on avait déjà, je ne sais même pas si on a mis des dates. Peut-être pas, hein? Est-ce que, bon, probablement continuer avec les mardis matin. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent jamais participer parce que le mardi matin, ils ne sont pas disponibles. Peut-être faudrait que je regarde pour une autre date.
Donc, d'ajouter des points à l'heure du jour, d'aller aussi s'inscrire au forum informatique sur Moodle. Je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y en a plusieurs qui l'ont fait ou pas, parce que je continue, j'écris aux deux endroits. Donc, donc je n'ai pas vérifié ceux qui sont inscrits, vous devez recevoir deux courriels, j'imagine. Ça va être plus simple, parce que là, c'est dans mon courriel à moi, j'ai fait un groupe, mais si quelqu'un d'autre veut communiquer avec tout le groupe d'informatique, là, c'est plus compliqué. Donc, en passant avec le Moodle, ça va être plus facile de communiquer avec tout le monde. Puis, c'est un forum aussi, donc vous pouvez aller écrire n'importe quand, quand vous avez des questions en informatique, vous rejoignez tous les gens qui sont inscrits au forum. Donc, ça vaut la peine d'aller s'inscrire à cet endroit-là. Puis, au-delà de ça, je vous souhaite des belles fêtes. Oui, Julie? Oui, je voulais juste un petit peu ramener ce qu'on avait discuté, puis surtout garder en tête. Moi, je vais le garder en tête, on pourra le marquer pour les prochaines rencontres. Le point de l'évaluation où on doit observer, je pense que c'est le point 1 que vous appelez ça, cette mesure-là. Comment on doit procéder. Je pense qu'il faut réfléchir un peu là-dessus, peut-être se partager des façons de faire. Là. Ça, c'est un élément que je voulais qu'on puisse revenir. Il y a aussi le carcéral. Là. Je trouvais ça bon l'idée de proposer ou de développer là, des prototypes pour certains cours seulement, pas des prototypes, mais je veux dire que, des documents d'accompagnement là, qui seraient faciles là, d'amener en milieu carcéral pour mieux fonctionner là, lorsqu'on a évalué un candidat. Et puis, bon, les cours d'établissement, ça, je vais vous répondre avant, là, avant par contre, la prochaine rencontre, là, comment ça va fonctionner. Mais par contre, il faudrait garder en tête là, les cours de mise à niveau, puis avec des unités de secondaire 4, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis moi, je vais regarder aussi le point de vue du ministère là-dessus. Puis, définition du LBO. Là, je pense que ça serait pas mal là, le tour des questions sans réponse de notre rencontre. Merci. Je vous souhaite des belles fêtes à tout le monde. Bien, merci. Bien, je t'ai laissé le mot de la fin. C'est parfait. Donc, au revoir à tous.